Lieutenant Eduardo. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces montres? Je croyais les avoir remises aux autorités compétentes. Ouais, mais à ce qu'on dit, tu t'es mis à recycler des trucs plus sensibles que des Rolex volés. Ah oui, je suis devenu un crack du crack. Je bosse ici parce que les horaires me conviennent. Je veux parler d'armes à feu, petit branleur. Et des pas ordinaires. Sans prix, Edward. Moi, j'ai que ça en magasin. Montre-lui tes imports, Gibbs. Salut, K. Ça roule. Déballe tes imports tout de suite. Oh, tu sais bien que ça fait une paye que j'y touche plus. Gibbs, te fous pas de moi, c'est agaçant. Non, une seconde, attends. Je compte jusqu'à 3. Il va tirer, Gibbs. Un. Je te préviens, ce mec n'a pas l'air équilibré. 2. Un bon conseil, parle-moi, dans ce cas-là, il est complètement cintré. Il est toujours cintré. Fais-toi faire un massage, pars en croisière. 3. Lâche tout de suite ton arme et mets les mains en l'air. Je l'ai prévenu. Tu lâches ton arme. Tu l'as prévenu. M'oblige pas à te tuer. Connard, tu n'as donc pas de pitié. Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Sors la marchandise ou tu perdras une autre tête. Monsieur Edward. Celui-là. Celui du milieu. Tu as vendu un carboniseur azimuté réverbérant à capacité accrue à un clandestin céphalopoïde, Gibbs, espèce de trop d'air. Ça avait l'air d'un type bien. Il doit vouloir assassiner quelqu'un qui est la cible. Ah, tiens, j'en sais rien. T'étonnes pas, Gibbs. J'en sais rien, je le jure. D'accord, je te confisque tout et je veux que tu prennes la prochaine navette en partance ou je tirerai là où ça ne repousse pas. Oui, et moi je repasserai te voir pour que tu me parles de ces Rolex.